Not the printer. Dérange, t'es là, tu le fais à plat, donc tu déranges comme ça. Donc ouais. Pour déranger, tu casses le haut de ton corps. Et tu le casses ouais. Au moment où tu te balances. Regarde le pied, dedans. Regarde mon pied. Simplement que si j'essaye de déranger comme ça, mon pied je vais comme ça. Ouais. Par contre, si mon pied je le mets là, ouais. La botte elle frotte plus. Et là, regarde. T'as vu la différence ouais. Travailler le physique, hein. Et ce dernier tour, j'en voyais plus la fin, mais. Mais j'étais content de remonter devant. That should do it. Par sa prestation en course puisqu'il a quasiment pas fait de roulage avec simplement une séance d'essai à Lédenon il y a un mois et ça faisait bien longtemps qu'il n'avait pas roulé sur une moto donc chapeau et je pense qu'avec un peu de travail et un peu plus de roulage il pourrait espérer faire de bien meilleurs résultats. Bravo à lui. Ce que j'aimerais partager c'est cette aventure avec tous ceux qui vont voir et, ce film et puis surtout j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont aidé à le faire. En premier lieu, j'ai la grande chance et le grand privilège d'être dorloté par des grands champions. J'ai Sébastien Gimbert qui est multiple champion de France, d'Europe, qui a gagné les 24 heures du Mans, le bol d'or, qui est champion du monde. Enfin, c'est l'un des plus beaux palmarès français qui a été suffisamment gentil pour m'aider dans cette aventure. Et c'est mon coach, donc je suis très honoré. Et cerise sur le gâteau, j'ai aussi son staff technique avec moi. Donc si vraiment je ne marche pas bien sur cette moto, c'est de ma faute. Et je voudrais aussi en profiter pour dire que c'est difficile de s'organiser comme ça, c'est difficile de participer à des compétitions de sport mécanique, mais que c'est une aventure extraordinaire. Et je voulais vraiment remercier les gens qui nous ont permis de faire ce projet. D'abord des gens qui ne sont pas du tout dans le secteur de la moto, comme Oscaro ou les comptoirs du multimédia. Ils se sont tout de suite impliqués dans ce projet, ils ont trouvé très intéressant d'être associés à un quadra qui veut faire de la moto et qui veut faire de la compétition. Et depuis des mois, on travaille ensemble à la réalisation de ce projet. Ils sont très très impliqués. J'espère qu'ils seront heureux du résultat.
On a aussi souhaité que ce soit partagé avec le plus grand nombre. Et aujourd'hui, on a la chance de disposer de technologies très abordables et de très haut niveau, comme par exemple des caméras embarquées sur une moto. Et grâce à CamSport, notre partenaire, on a notre moto équipée de 4 caméras sous différents angles de prise de vue, etc. Puis autour de ça, on a associé aussi des partenaires qui sont plus du monde de la moto, comme des équipementiers, Shoei, Furigan, Sidi, l'importateur du système de frein Brembo, SEMC, mais aussi un graphiste qui nous a fait une moto superbe qui s'appelle Virus Graphics, les carnages aussi par Polybike, qui est une jeune société française qui démarre et qui a voulu participer encore une fois à cette aventure. Donc, on espère qu'au travers de cet événement, au travers de ce week-end, vous prendrez plaisir à voir la moto. Et puis, pour tous ceux qui veulent s'associer à notre nouveau team qui s'appelle Team Race Experience, venez vivre l'expérience avec nous de la race. That should do it. That's different.